Brothers, sisters, welcome. We will have a very short presentation in English, then in French, and then in Creole. The three presentations will be very brief, and they are focusing on the scripture readings of the fourth Sunday of Lent, which is March the 22nd, the year 2020. Donc, frère Action Mayo, l'une fin fête, présentation en anglais à très courte. Nous pourrons faire l'autre très courte en français. Le fini, nous pourrons faire l'autre tout en créole. Donc, retenez tout à privé. Let me offer you some brief reflections on the readings of the fourth Sunday of Lent, March the 22nd, 2020. The key reading today is about the healing of the blind man. Easter will soon arrive. The Church wants to prepare us as thoroughly as possible for a fruitful celebration of this the greatest annual Christian feast. And the point made today is that Jesus is the light of the world. The first reading calls us to meditate on the election of David as king of Israel. Jesse, who is David's own father, and who also had seven other sons, did not even think of introducing David to Samuel as a candidate for God's choice, because he thought David was too young. Yet God chose him in preference to his good-looking brothers, because man looks to the appearance, but God looks at the heart. We too, like God, must learn to overlook external appearances and discern interior greatness. This is what counts in God's eye, the greatness of your heart, not simply of your external features. The colorful story of the healing of the blind man brings forth the key lesson of the day. This poor wreck of a man was born blind. He represents all of us who always fail to see what's beyond appearances. When he recovered his sight, he became a new man. We too stand in need of new eyes to see what escapes the naked eye. New vision is given to those who come to Christ with a sincere heart. You too acknowledge that Jesus is the light of the world, the light you need so that you may have a new understanding of everything around you. Opposing the blind man are the Pharisees, who pretended to know it all, prove themselves to be the real blind man. As we approach Easter, we are called to acknowledge a radical blindness to God's grace and mercy. We are called to go to confession like a blind man who was cured by Jesus because he admitted that he was blind. Stubbornness in evil leads nowhere. A humble, sincere heart opens for us the gates of new life. You were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will give you light. Rush to Jesus so that you may see and be cured of all blindness. May God bless you. Réflexion sur la lecture du quatrième dimanche du carême, le 22 mars 2020. L'histoire animée de la guérison de l'aveugle né nous prépare bien à la fête de Pâques. Ce pauvre homme, devenu mendiant pour survivre, bénéficie soudainement de la faveur de Dieu. Recevant la guérison du Christ, il passa des ténèbres à la lumière et sa vie se transforma. Reconnaissant sa misère, il s'adresse à Jésus. Sa démarche nous provoque. Nous avons tendance à nous durcir, refusant d'admettre notre aveuglement radical.
et notre incapacité de nous sauver nous-mêmes. Comme les pharisiens qui chassent du temple l'aveugle miraculé, nous prétendons parfois tout savoir. À l'approche de Pâques, nous sommes appelés à reconnaître notre péché, notre aveuglement, à le confesser et à chercher la lumière de Jésus. L'aveugle n'a pas pu se guérir lui-même. Dieu, par sa grâce, peut seul nous guérir. Mais la grâce n'est accueillie que par les cœurs humbles et sincères. La première lecture illustre ce point. Quand le prophète Samuel fut envoyé par Dieu pour oindre le prochain roi d'Israël, il fut tenté de choisir l'un des 8 premiers fils de Jessé, qui étaient tous forts et beaux. Mais Dieu fit choix de David, le plus jeune, le plus faible de la famille, car les hommes jugent par l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Quand dépasserons-nous les apparences pour voir enfin la richesse qui échappe à l'œil nu? À Pâques, l'Église nous offre gratuitement la lumière du Christ, la vie nouvelle du Christ, mais ne l'accueilleront que ceux qui approchent le mystère du Christ avec un cœur humble et sincère. Nous lisons dans la Bible, « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Christ. Vivez en enfant de lumière. Toi aussi reconnais que Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière dont tu as besoin pour voir clair. Reviens à Jésus et accueille son salut, sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse. » Frère Axemoyo, nous vivons le 4e dimanche carême, la journée jodia qui c'est 22 mars 2020. Mais, histoire la Bible que nous allons lire. Premièrement, nous allons entendre l'histoire de David. David était peut-être gain 13-14 ans, et puis il était gain 7 grands frères, lui-même il était gain 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il était bel garçon, il était bien campé. Bon Dieu voyait le prophète Samuel pour choisir Youn, la petite Jessé, qui était gagné 7 petits garçons. Et le Samuel rivait, Jessé dit, sûrement, c'est le premier petit moyen. Il perd le garçon, il faut, sûrement, c'est le deuxième là, ou troisième là. Mais bon Dieu dit, non, Moun, il fait passer jugement sous base apparence. Mais même, c'est que Moun, moi, ouais. Et bon Dieu dit, Jésus, il ne veut pas les messieurs, ça, c'est plus petit, à plus faible, c'est lui, il me voulait. Et c'est comme ça, il a cherché David, qui part même là, parce que dans le gars des moutons. Et c'est David qui vient tourner roi. Bon Dieu t'a choisi. Parce que Moun agit sous apparence, bon Dieu même garde cœur. Et j'ai paroué cœur. Deuxième histoire, nous parlons, hein, c'est histoire. Il y a un nègre qui t'est fait tout aveugle, mais qui vient grand monde, et qui vient procher contre Jésus, demander Jésus guérir. Et Jésus pourra le guérir. Nègre qui t'est aveugle depuis le fait là, Jésus pourra l'ouvrir, il pourra louer, il pourra le tourner au monde tout neuf. Et cette histoire, ça y est racontée pour aider moi-même, avec vous-même, je veux dire, que nous toutes, nous avons tendance. Oui, avec genoux, mais bon Dieu intérieur, bon vision, c'est Jésus seulement pour nous. Que nous te mettons, oui, avec genoux, mais que des bagages, j'ai pas, oui. Et c'est pas, c'est bon Dieu seulement qui cabe de nous comprendre qui est Jésus, qui est la vie éternelle, qui est nous-mêmes, c'est passé, n'a passé sous terre, mais bon Dieu destiné à la vie éternelle, pour nous, oui, pour nous comprendre, pour accepter tout bagage, ça, yo. Faut nous la foi. Et puis tout, faut nous humble. Faut qu'on accepte qu'on ne pas ouais. Ouais, tant qu'aveugle, il y a le coup de Jésus, il dit, pas ouais, fais-moi. Nous-mêmes, nous sommes capables de faire même prière. Pour nous ouais, pour nous comprendre, pour nous jouir, vision, crispoter pour nous. On vision la vie éternelle, importance, sagé pas ouais, importance, pardon, importance, remède. Importance dévouée de tout pour les autres, pour que ce n'est pas seulement des l'argent ou des manger, des plaisirs,
mais pour chercher grand service pour tout le monde qui a vraiment tout ça. Pour besoin, on l'a j'ai. Et c'est leur la prière, leur repentir, leur confesser que bon Dieu aborde vision ça. Car il est arrivé dans la vie éternelle. C'est pour bon Dieu bénir. C'est Jésus nous touillait. Pardon, pardon, mon Dieu. Chaque fois nous touillait la vie, c'est Jésus nous touillait. Pardon, pardon, mon Dieu. Pardon, chaque fois nous touillons la main, c'est Jésus nous touillons. Pardon, pardon, mon Dieu. Chaque fois nous touillons justice, c'est Jésus nous touillons. Pardon, pardon. La paix, c'est Jésus nous touillait. Pardon, pardon, mon Dieu. Chaque fois nous touillait partage, c'est Jésus nous touillait. Pardon, pardon, mon Dieu. Je sais ma vie, mais on touillait. Maintenant, c'est péché nous tous.
il fait ainsi-là. Pardon, mon Dieu, mon Dieu, pardon. Pardon, mon Dieu, mon Dieu, pardon. Chaque fois touillé famille, c'est Jésus nous touillé. Pardon, pardon, mon Dieu. Chaque fois touillé l'ignan, c'est Jésus nous touillé. Pardon, pardon, mon Dieu. Pardon, 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 pardon.